Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée, vraiment, pour jouer au foot. Les conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a lieu, fait le bonheur. Ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans cette tribune. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. L'entraîneur a donc choisi son système, 4-4-2. Ah, mais c'est le système tactique de l'âge d'or du football anglais. Bon, il devient de plus en plus rare, malheureusement. Tout se perd. Alors là, soit vous jouez le bon vieux kick and rush, soit vous vous appuyez sur vos latéraux. Dans ce cas-là, il n'est pas seulement qu'ils montent pour centrer, mais qu'ils occupent bien le L. Voilà, on y est. Début de la rencontre. La longue passe, il peut en profiter. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Wijnaldum. Danilo Pereira. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Diallo. Le ballon dans la profondeur. Oh, quel geste! Wijnaldum. Anderera. Ça joue long. Oh, le bon ballon! Allez. Brest qui cherche l'ouverture. Le stade brestois adopte une tactique bien connue. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Et la tête! Il manque le geste décisif. Le timing est bon, mais il n'a pas pu la mettre où il voulait. Draxler. Voici Icardi. Mbappé. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il décide d'allonger le jeu. Il met le pied, ballon récupéré. Le Paris Saint-Germain qui ne compte toujours pas de tir cadré dans ce match. Wijnaldum. Bien, la profondeur. Pereira avec Danilo Pereira. Diallo, la passe dans la profondeur. La tentative. Oh, but, but pour le Paris Saint-Germain. Tout seul face au but, c'est presque trop facile. Il était au bon endroit au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond défilé. On y est, le compteur est débloqué. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Danilo Pereira.
Il cherche son coéquipier, Mauro Icardi, qui écarte le jeu. C'est envoyé dans l'axe. Il frappe. À côté. Sous la pression. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Bien joué ça. Il cherche un coéquipier, ça manque un peu de précision. Oh, Icardi ! C'est joué long, attention. La longue passe. Oh, l'occasion ! Avec un peu plus de réussite, ça aurait pu faire moucher. Pierre Gabriel qui tente une passe longue. Stopper l'attaque adverse. Diallo, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Cette possession un peu stérile. Pereira. Danilo Pereira. Bonne intervention. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Ça fait but! Ils creusent l'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. Oh, c'était jamais facile les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. Oula, il faut beaucoup de sang-froid dans ces situations, c'est bien joué. Fait maintenant 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Il tente de la jouer dans l'espace. Là, il peut centrer. Oh, l'intervention. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. C'est osé. C'est joué en profondeur. Il peut frapper. Nouveau but dans ce match. Trois buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Ces deux-là se comprennent à la perfection. Et une deux parfaitement exécutée. Thank you.
c'est reparti. Le score est maintenant de 3-0. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Bonne intervention, il y avait danger. C'est joué long. Philippe Otto, il a de l'espace. Il est intervenu. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire, mais là, ce n'était franchement pas le cas. Oh, Navas, super mal. Aucun problème pour le gardien. Adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous savez. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Une longue passe. Et ce ballon sur l'aile. Dans la profondeur, bien vu. Parti. Qui veuille remettre ça. Peut-être une occasion pour Mauro Icardi. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. C'était une bonne intervention. La faute est sifflée. Oh, il s'en sort bien. L'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Aucun doute, corner en leur faveur. Ce sera le premier corner du match. Il allonge vers l'avant. C'est joué long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Profondeur. Le bon sang. C'est une occasion. C'est tout simplement incroyable. Magic. Elle est belle cette reprise de volée. Quel équilibre. Regardez, le centre arrive. Il sait ce qu'il va faire. Il fait la perfection. Bravo. Changement s'enchaîne, on dirait bien. Wijnaldum, qui n'a pas l'air content de sortir, mais c'est un peu sa faute aussi. Il a déjà pris un carton. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard.
Ils sont back in business. Ils doivent maintenant garder la tête froide et saisir toutes les opportunités. C'était difficile comme geste. Marco Verratti. Ils sont patients. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Le voilà averti. Il n'y a pas grand-chose à redire. Ça manque de précision, dommage. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Mbappé. Mbappé. Avoir besoin de soutien là. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Au risque de passer pour un vieux cynique, je dirais que c'est joué plutôt intelligemment. Après tout, quand un joueur avec sa qualité de dribble arrive à armer sa frappe, ça fait souvent but. Un coup franc pas évident, l'angle est plutôt fermé. Allez, se concentrer sur ce coup de pied arrêté. Le drapeau s'est levé hors jeu. Du gardien. Kerrer. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne lecture de la trajectoire. Sarabia. Mauro Icardi. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football? Tout cela, on l'a eu aujourd'hui sur la pelouse et presque un peu plus. Même si à l'arrivée, il n'y a qu'un petit bout d'écart pour faire la différence. Alors,